Bonjour à tous, je suis Hervé Ballot. Ce moment de ouvrir nos cœurs et notre esprit à l'infini. Alors, le yoga est une science antique d'autoréalisation et de réalisation en Dieu. Yoga est un mot sanskrit qui signifie unicité, union ou unité. Il consiste dans le fait de pouvoir reporter notre attention à la conscience et à reposer cette conscience dans notre nature spirituelle essentielle. Yoga est connaître notre nature spirituelle et vivre en harmonie avec celle-ci. Alors, pour pouvoir arriver à cet état de yoga, d'unité, il faut, selon ces grandes écritures, cinq grandes qualités. D'abord, Shraddha, la dévotion intense, le fait de pouvoir ouvrir son cœur, de pouvoir travailler avec un cœur vide, comme le disent les Chinois. Une ouverture, un saut dans le vide. Puis Pragya, le discernement entre le réel et les choses irréelles. En effet, nous sommes conscients maintenant, nous avons compris que le mental est une sorte de prisme entre une pure conscience qui vit à travers nous, et la réalité extérieure. Donc avec le mental, créer ce prisme colore la réalité. Il faut donc pratiquer avec viryam, la force, le courage. Le courage de reprendre tous les jours sa pratique, d'avoir l'autodiscipline, source de toutes les grandes joies. Pour rejoindre smriti, la mémoire, ce pouvoir se rappeler ce qu'on sait depuis toujours, depuis que nous sommes nés, même avant, et pour toujours. Et puis, être capable de pouvoir agir et méditer. C'est une décision importante de méditer, comme vous avez pu vous en apercevoir. Grâce à la pratique constance et au détachement, émerge la cessation de l'identification avec les fluctuations de la conscience. On avait vu avant ce concept de yoga chitta vritti nirodha, le fait de pouvoir détacher et ne plus s'identifier avec les fluctuations émotives qui émanent dans le mental. Il faut abhyasa, la pratique constante, cette méditation, se brûler à feu lent, recommencer tous les jours, et le détachement. Le détachement est la qualité de celui qui vit en anglais. Voici donc ces cinq qualités, une pratique constante, le détachement, deux grandes clés sur lesquelles maintenant nous pourrons méditer. Donc cette pratique constance et ce détachement sont exactement le contraire de raga, l'attachement qu'on avait vu dans une session précédente à propos des cinq afflictions. Donc les problèmes, ces afflictions par lesquelles l'être humain, la conscience, par la non-connaissance de son être, la non-reconnaissance de l'essence de son être, s'attache et s'identifie à ce qu'elle voit d'abord, c'est-à-dire le corps et le mental, et donc s'attache à la satisfaction du corps et du mental. Donc intéressant de noter qu'il faut faire donc le contraire. C'est ma pratipaksha bhavana, et on le verra plus tard. Ça arrivera. C'est Yoga Sutra. Commençons donc à réfléchir, méditer, nous concentrer, observer ces concepts de pratique constante
et de détachement. Nous nous préparons à notre méditation quotidienne, assis confortablement avec le dos droit, arqué, sans appui, épaules basses, relaxées, nuque allongée, sans tension, épaules en arrière, poitrine en avant, nuque allongée, menton bas, le regard au troisième œil dans le Kutashta, le Yin Tang chinois. Avec la langue, prenons Ardha Kesharimudra, la pointe de la langue dans la partie molle du palais, légèrement. Abandonnons notre respiration à ce rythme naturel sans le contrôler. Maintenant, entrons à l'intérieur. Ouvrons notre cœur et notre esprit à l'infini, à la pure conscience omniprésente. Nous y sommes immergés. Elle s'exprime en nous, autour de nous, à travers nous, dans tout et tous ce qui est. Une seule vie, une seule présence, une seule puissance. Une seule réalité unique connue sous tant de noms, esprit, absolu, conscience, sagesse, Dieu, Purusha, Ishvara, Allah, Jéhovah, Rama, Satanamaha. Cette réalité est la source, le support et la substance de tout et tous ce qui est dans l'univers, partout et à chaque instant. Nous en sommes la manifestation. Reconnaissons que précisément ici où nous sommes, juste maintenant, à ce moment précis, cette réalité est totalement présente, pleinement éveillée et active à travers nous. Prenons conscience et rappelons-nous que nous sommes comme des vagues sur l'océan de cette conscience divine. Quand nous méditons, nous portons notre attention et notre conscience de l'extérieur vers l'intérieur, de manière à reposer en cette conscience, en y reconnaissant notre nature essentielle. Nous tournons simplement notre attention de la périphérie de notre conscience vers la profondeur au fond de nous, comme les vagues retournent vers la mer. Prenons conscience de notre respiration, observons son flux naturel. Inspirons et expirons profondément. Inspirons, chantant mentalement le mantra Hang, l'énergie monte. Expirons, Sor. Abandonnant toute pensée ou concept erroné de séparation. Observons et laissons pensées et sentiments flotter dans l'esprit, et sans plus les écouter, les laissons s'en aller au loin. Si des pensées, sensations physiques, corporelles ou des bruits dans l'environnement distraient notre attention, retournons doucement à l'observation du mantra Hong So.
Détachons notre attention du mantra, du mouvement de l'énergie, du prana, du chi. Reprenons conscience de notre corps physique, de son poids sur le sol. Faisons une longue inspiration suivie d'un long soupir. La paix émane de l'essence de notre être et envahit notre mental, notre nature émotive et notre corps physique. Nous pouvons emmener avec nous, partout et à chaque instant, cette paix portative, comme disait Paramahansa Yogananda. Lentement, gentiment, quand tu es prêt, ouvre les yeux. Maintenant que nous reposons dans cette paix, laissons-la s'épancher vers l'extérieur, comme grâce pour tous les êtres, partout et à chaque instant. Que ta lumière intérieure illumine le monde et rappelle-toi de porter dans le silence de ton cœur paix et joie à tous ceux que tu rencontreras. Namasté.